C'est un moment incroyable dans la vie de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français plane sur le toit du monde après la victoire des Bleus face à l'Argentine. Samedi 30 juin, Kylian Mbappé a marqué l'histoire. Il a réalisé ce que personne n'avait fait depuis le roi Pelé, lors de la Coupe du Monde 1958. Il a marqué un doublé dans un match de l'épreuve reine du football mondial. Âgé de seulement 19 ans et demi, Kylian Mbappé prouve qu'en plus d'avoir un très grand cœur, il est sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Une performance qui lui a valu les félicitations de Pelé lui-même. Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du Monde si jeune te place en bonne compagnie. Bonne chance pour tes autres matchs. Sauf contre le Brésil. Pelé, Apple, June 30, 2018. Au prochain tour, la France affrontera l'Uruguay. Il existe de fortes chances pour qu'il joue ensuite, contre le Brésil en demi-finale. Il y a 60 ans, c'est l'occasion qu'avait saisi le roi Pelé pour marquer 3 buts. Une victoire 5-2 des Brésiliens qui avaient éliminé les Bleus. L'heure de la vengeance est-elle enfin sonnée? On ne demande pas mieux, on pourrait même changer son surnom, et commencer à le nommer le roi lui aussi.